Bonjour à tous, c'est Semnico. Vidéo importante. Il y a une vidéo qui tourne un peu sur Internet où ça fait scandale sur Twitter et tout ça, sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis. Ils ont attrapé Jay-Z sous forme reptilienne dans l'avion, quoi. Et ça vient d'arriver là, c'était hier ou avant-hier, et c'est en train de débouler partout sur Internet. Et je suis tombé là-dessus et ça va me permettre de rebondir sur autre chose. À la fin des temps, ils avaient dit que ces créatures n'arriveraient plus à se cacher. C'est-à-dire que de plus en plus, voilà, ils ont vu ça dans l'avion. Et apparemment, Jay-Z, il n'est pas ce qu'il prétend être. Bon, c'est une de ces créatures et il est bien plus vieux que ce qu'on pense. Je pense que c'est un ancien sorcier qui a fait un pacte avec le diable il y a très très longtemps. Et il vampirise les gens, puis il arrive à se maintenir en vie quasiment éternellement. On va voir les photos. Voilà. Jay-Z, t'es un sorcier vampire. Tu es démasqué. Tu as fait un pacte avec le diable. Donc ils aspirent la vie des gens et puis comme ça ils peuvent se maintenir en vie quasiment éternellement. Puis il y en a plein là, ils vieillissent pas. Regardez lui. Lui il vieillit pas, lui aussi. Lui aussi. Il y en a plein comme ça. Vladimir Poutine. Je sais pas si c'est du clonage ou si c'est de la sorcellerie, hein. Moi je pense plus que c'est de la sorcellerie. Oui, bah, apparemment il ressemble à Jules César comme deux gouttes d'eau. Pour revenir à celui-là aussi, l'acteur de Matrix qui est assez flagrant, lui aussi je pense que c'est un sorcier vampire. Voilà, je vous conseille d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de vous sanctifier, de vous repentir pour être protégé par ces gens-là. Parce que les païens, en fait, en fin de compte, ils sont quoi les païens? Ils sont de la nourriture pour ces gens-là. Je vais vous laisser avec une vidéo aussi qui est assez intéressante. Voilà, là, ça va être assez flagrant. Regardez bien. Et j'ai moi-même regardé après sur le film. Il y a un moment déjà où je m'étais ralenti pour voir si je voyais la même chose, et oui, effectivement, ce ne sont pas des humains, ils sont mi-hommes, mi-démons. Ils arrivent à prolonger leur vie par le vampirisme, ils vampirisent les gens, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils tombent malades, vous êtes fatigués, vous attrapez des cancers, des sidas, tout un tas de sortes de maladies, que vous vous faites manger spirituellement, tout simplement. Donc la solution, c'est pas les médicaments, c'est pas les hôpitaux, tout ça c'est du camouflage. Il faut venir à Jésus-Christ. Repentez-vous, venez à Jésus-Christ, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur. C'est écrit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Pourquoi? Parce que si vous ne vous reconnectez pas avec Dieu, vous êtes de la nourriture pour ces gens-là. Il faut avoir la protection du Saint-Esprit pour être protégé de ces monstres. Vous avez vu les mains? Terrible, terrible. Il y a les griffes qui sortent, quoi. Faut qu'ils consomment du sang pour qu'ils conservent leur forme humaine. Donc il y a plein de rituels, plein de sacrifices humains, c'est caché. Ils boivent le sang et il faut qu'ils consomment aussi certains organes humains, genre ils mangent le cœur, ils mangent bref des trucs abominables. Tout ça pour rester immortel, mais bon, c'est une damnation, quoi. Bon allez, à plus tard pour une prochaine vidéo. Faites tourner. Cette vidéo, elle est importante. La plupart des gens en position de pouvoir sont pas humains, en fait. Ils sont toujours en poste important. Des acteurs, des chanteurs, des politiciens. Ça peut être des grands chefs d'entreprise aussi.
Encore une fois, la Bible a raison. Le monde entier est sous la puissance du malin. Encore une fois, on a une preuve de la véracité de la Bible, quoi. Bon, allez, à plus tard pour une prochaine vidéo. Faites tourner la vidéo. I went to the Warner Brothers lot in Burbank to meet Andy and Larry Wachowski, the writers and directors of a film entitled The Matrix. I was excited to speak with them. They had written something that I had never seen, but in a way, something that I'd always hoped for, you know, as an actor, as a fan of science fiction. The script that they wrote synthesized to me, I don't know, it had Gibson. I'm going to be a little inside baseball here, as they say. But it had Gibson, it had Verne, it had Kay Dick, Frank Miller, anime, Kurosawa, Peckinpah. It was Nietzsche, it was Buddha, it was Christ. It was themes and levels. It was dualities, modalities, realities, dreams, will, destiny, freedom, slavery of the mind, of the body, the construct, who lives, who dies, identity, sexuality, viruses, and love. It was mythology, philosophy, technology. And truth. What truth? Hey, Keanu, hey man, I'm a big fan. I was just wondering if you could tell us what the truth about this is. Because I don't think that there's any clawed beasts in the Matrix script, is there? I mean, if you just want to clear this up, you know. Tell us that it's, you know, this is just a video anomaly of some kind, or, you know, maybe you hadn't trimmed your nails that morning. I'm sorry, what's that? Oh, okay, it wasn't that you hadn't trimmed your nails, it was that there's a subplot in The Matrix of morphing into clawed beasts. Okay, I got that wrong. What you're saying is that it's, because you were in that incubator for a really long time, and that's why your nails were long, and that, what's that? Oh, okay, an interdimensional thing where, like, they grow and then they suck back in. Okay. Right. What truth?
What truth? Truth. What truth? They're carnivorous. They are not friendly to mankind. At least the ones that are here. Are they carnivorous? They eat humans? Yes. What truth? There are notable physical characteristics. Now, take a look at the features, okay? Hooded eyelids, very often a pronounced brow above the eyebrows, high-set cheekbones, very often eyes sunk deep in the eye socket.
What truth? Yeah, what truth? Do you want to tell us?